Oui, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est le deuxième match où je retourne au Parc des Princes. Donc pendant 8 ans, j'y suis pas du tout allé. Et là, en l'espace de 2 mois, j'y suis retourné 2 fois. Donc j'ai filmé cette fois-ci un petit peu différemment de la première vidéo, qui a été pas mal regardée et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc cette fois-ci, j'ai filmé non pas vers les supporters, parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent ne pas vouloir être filmés hein, et se retrouver sur YouTube. Donc là, j'ai filmé uniquement vers le terrain. Mais comme ça, en même temps, vous pouvez vous concentrer sur l'ambiance et vous donner une image, un aperçu de ce que ça donne quand vous êtes dans le stade, aux côtés des ultras du PSG et que vous regardez le match. Ici c'est alors tous avec moi pour la composition du Paris. Numéro 16. Alphonse. Numéro 2 est capitaine pour la 222e fois. Thiago Silva. Numéro 3. Presnel. Kimpembe. Numéro 20. Lévy. Numéro 32. Lénier. Numéro 8. Numéro 18, Giovanni Lo Celso. Numéro 9, El Matador Edinson Cavani. Numéro 11, André Di Maria. Numéro 23, Julian Draxler. Numéro 29, le meilleur joueur du mois de mars, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain est entraîné par monsieur Kylian Mbappé. Numéro 1, Kevin. Numéro 5, Marcos Aguas Correa. Allez, Paris, allez!
Vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu vraiment, n'hésitez pas à la partager à vos amis s'il y en a qui sont supporters du PSG mais qui peuvent pas aller forcément au parc ou juste qui aiment bien l'ambiance quoi, parce que c'est toujours vraiment super sympa. Donc encore une fois, heureusement que le club est là, hein, clairement sans eux le parc est mort et on l'a vu en tribune G, en tribune K également, donc là où il y avait des gros groupes de supporters avant et ben maintenant c'est totalement mort, donc un grand bravo au club pour ce qu'ils font. Et puis, pour le mot de la fin, je dirais quand même liberté pour les ultras. Qu'on supporte Paris, Marseille, Lyon, Rennes, Saint-Etienne, Auxerre ou n'importe qui, la lutte est la même. On veut juste des tribunes un petit peu animées. Et c'est pas parce qu'il y a des rivalités qu'on ne peut pas s'entendre avec les gens. Donc, moi, je suis sur cette chaîne-là pour réunir un petit peu tout le monde. Hein. C'est pas que pour les supporters du PSG ou les supporters de Marseille ou n'importe quel autre club. Donc, voilà. Bah, du coup, je vous remercie et puis... je vous souhaite à tous une très bonne journée au moment où vous regarderez la vidéo. Ciao !